Selon un rapport d'une commission bipartite présenté mardi au vice-président élu Joe Biden, il est à prévoir que les États-Unis seront la cible d'un attentat terroriste avec des armes nucléaires ou plus vraisemblablement des armes biologiques avant 2013. Le rapport recommande à l'administration Obama de renforcer les efforts visant à contrer ces attaques et de se préparer à une guerre biologique par des terroristes. Le rapport de la Commission sur la prévention de la prolifération des armes de destruction massive et du terrorisme reconnaît que les groupes terroristes n'ont toujours pas les capacités scientifiques et techniques de fabriquer des armes avec des agents pathogènes ou des bombes nucléaires. Il souligne toutefois que cette carence pourrait être surmontée facilement si les terroristes devaient trouver des scientifiques désireux de partager ou de vendre leur expertise. La Commission recommande également à la nouvelle administration de nommer un fonctionnaire au Conseil national de sécurité qui sera exclusivement voué à la coordination du renseignement et de la politique étrangère des États-Unis en matière de lutte contre la propagation des armes nucléaires et biologiques.